Allez, Scooby-Doo. Retourne faire tes mystères là. Quoi de notre Scooby-Doo? Nous on te suit partout. Zoudre ce mystère. Les indices avant. Et let's go au nucléaire. Et let's go au nucléaire avec la nouvelle arme. Yop les tryhards! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Mais aujourd'hui on va se retrouver avec l'arme la plus puissante du jeu, la Tech 9. Et mon dieu que l'arme est surpuissante, elle est incroyable. Il n'y a aucune arme à l'heure actuelle qui soit capable de rivaliser avec la Tech 9. Elle est plus puissante que la LC-10, elle est plus puissante que la K-74U, elle est plus puissante que la K-47. L'arme met littéralement 3 balles. Je rigole pas, 3 balles. C'est devenu une nouvelle méta sur Cold War. En espérant évidemment qu'à l'avenir elle soit nerf, parce que sincèrement je ne vois pas le jeu tenir plus d'une semaine avec ça, et qu'on puisse avoir un patch note un peu plus équilibré. Et pour tous ceux qui vont dire, ouais mais tu sais LT, les armes en début de saison, elles sont toujours ultra cheatées, ce qui est évidemment faux avec Cold War. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, lors de la saison 3, nous n'avons pas eu des armes extrêmement fortes. La saison 4, inexistant, saison inexistante sur Cold War. Et là, la saison 5, on a enfin des bonnes armes, mais beaucoup trop fortes. Donc on espère évidemment un patch 9. Évidemment, pour vous montrer la puissance de l'arme, je vais vous proposer plusieurs gameplays fort sympathiques, dont une nucléaire en 2 minutes 2. Je pense que c'est une de mes nucléaires les plus rapides sur le jeu, et qui évidemment a été réalisée en live sur Twitch. On est tous les jours en live sur Twitch maintenant, à partir de 9h du matin. Et si ce n'est toujours pas le cas, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer la petite cloche de notification, mais si on est en plein rush pour les 200 000 abonnés sur YouTube, et de défoncer la barre de like, voilà, vous l'explosez. Tu likes direct, tu ne cherches pas à comprendre. Le like, c'est le cul de ta copine. Et tu le fracasses, putain. Enfin bref, les plus de 1000 likes en moins de 24 heures. Je compte sur vous et c'est important. Et évidemment, après, je vous montrerai ma best class setup. Oh là là, quelle honte. Canon à main, c'est du pistolet comme on aime. Ah oui, mais le shoot, je pense que vous préférez de meilleurs shoots, là. Un shoot tapeur. Ah non, le shoot aujourd'hui... Là, je réussis à tout faire, mais... Oui, oui, ça compte. Ça compte dans ta série nuque. Un shoot, ça te fait flipper, hein. Là, ma mère, elle est en train de me renier, hein. Bon, en soi, on est de nouveau en bonne série. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Ah, y a moyen de taper la nuque là en fait. You bitch. Ça va, tous mes potes me lâchent pour aller sur Cold War et me laissent tout ça sur Modern Warfare, mais sont tranquille. Suis tes potes, va sur Cold War. Lâche Modern Warfare. D'accord. Surtout le multi de Modern Warfare, alors là, faut pas m'en parler. Moi j'y suis retourné avec Melox, la seule chose que j'ai envie de faire, c'était prendre celle ses potes et gagner celle le premier passant. Hein. Bah c'est pas drôle surtout de jouer sur Modern Warfare 2019. Ça a vraiment été le pire Call of Duty. Death Ghost, j'ai plus de... Personne qui regarde vraiment au bon endroit là.
pas les bons decks qu'il faut. Suis la voie de la raison et commence à jouer sur Cold War, mon ami. Ça commence à être la crise là. L'annihilateur. De Tech 9 quelque part. Parfait. Vous avez la prochaine Vistat ou pas? Je suis un peu concentré. Mais j'aime bien. Pour le moment, je m'amuse. Putain, j'ai failli clamser par ça là. Comme tu l'as dit là, par ça là. Comme si c'était un moins que rien là. C'est. Bon, c'en était un. Devant toi, ça va arriver. Avec un fusil à main, un fusil en cuir dans les mains. Mais... Ok, machine de guerre. Bien vu la Vissat. Est-ce qu'on y croit la nuque là dans le chat? Est-ce qu'on y croit? Maximum de support. Regarde ça rage kit en plus. Les mecs nous ont cassé les couilles. Juste pour nous casser les couilles quoi. TikTok. 28. Allez, on a deux kill nuke. Tiens, un Vissat. Ok, je viens sur la droite, je te le laisse dans le garage. Tu me prends sur la route. Un HP. Et let's go nucléaire. Et let's go! Deuxième nucléaire de la journée avec la Tech 9. C'est horrible. Je savais que t'allais faire ça. Reviens ici. Derrière toi, non. Ah oh ouais, mais ça... Ça sort carrément les Akimbo, là. Ah ouais, ouais, ça a carrément sorti les Akimbo. Ah, ils sont en train de communiquer. Ça communique en face. Tu l'as? Petite série de 7. Y'a moyen de la taper en vrai, hein. Je veux vraiment la mettre cette nucléaire là. J'ai toujours le démon. Il est sérieux là? Il y a ça quand tu as. Fruits rouges, meilleur goût, ouais. Comment ça, je te lâche hitmarker? Mais what? Mais t'as. Il a même pas gilet par balle et il se prend un hit, frère. C'est vraiment. Alors, ça c'est vraiment les trucs qui me font rager sur Cold War. Moi j'ai gilet par balle, je me fais one shot, eux ils ont pas gilet par balle. Ils se font pas one shot, genre c'est incompréhensible des fois. Oh oh. Ouais, je comprends pourquoi t'as ragé, hein. Vu ce que tu viens de te prendre là.
Ce que je leur ai mis. Oh, ce que je leur ai mis. Oh, c'était magnifique. Vissat ou pas? Non. Merde. Bien joué les mecs. Et on est en train de les démolir. Il y a le Covid en face. Ouais. Monsieur, est-ce que vous avez votre passe sanitaire? Dans mes veines, ce genre d'action, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ce genre d'action, c'est... En plus, je suis en série nuque, là, donc il y a moyen de la taper, hein. Qu'est-ce qu'il fait au fond du spawn? Il est tout seul, là, parce que les autres... Sont... Oh, regarde, maintenant, les balles vols. Regarde tous les balles vols qui sont entrés. Level 1. Level 35. Mais what the fuck? Tu sais, vraiment, j'ai toujours le démon d'avoir raté la trip avant, hein, avec, hein. Triple nucléaire avec la nouvelle arme, que ça l'aurait tellement fait. Je m'en bats trop ici, il faut de toute façon. Ok, j'ai l'annihilateur. Hop là. On y croit, on y croit. On veut la nuque. Ah oh, putain, pas contre les spawns, c'est n'importe quoi. Les alliés qui veulent capturer de nouveau, oh là là. Bon, tu m'agaces. Encore ? Let's go. What the fuck, c'est quoi ces spawns? D'accord, il a carrément spawn sur... ok. Allez, Scooby-Doo. Bon, autant de faire tes mystères, là. Ça va vraiment comme ça? Quoi de neuf, Scooby-Doo? Nous, on te suit partout. On va résoudre... Zoudre ce mystère. Les indices, hein. Ouais, non, par contre, je suis perdu sur la... 29. Vas-y, let's go, on y croit. Allez, allez, allez! La lance pas par contre si tu veux. Vissat? Et let's go nucléaire. Et let's go nucléaire avec la nouvelle arme! La Tech 9! Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Je suis pas loin de la nuque en fait. Bah, je balance pas ma nuque, hein, j'ai rien fait là. Mais quel enchaînement! GG LT la nuque, merci infiniment les frérots. Maximum de GG. Bon après on a eu une fin de lobby un peu comment dire, un peu facile quand même, hein. Level 1, level 35, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent ici. Non. Ouais, je l'ai balancé juste avant. Ni de drone, rien. Tu joues pas au drone. Seigneur Dieu, ils étaient combien? Scooby-Doo, je t'ai dit, arrête! Bah, si vous pouvez laisser spawn un peu les mecs, 2 kills. Bah, moi je suis à 2 kills aussi en fait. 1 kill. Ah, j'essaie encore de faire quelques kills Tech 9. Tu peux pusher le spawn. Pour éviter d'avoir un mec à... dans l'espace des commentaires en train de dire tu fais trop de kills avec ta machine de guerre ou l'annihilateur. Oh, oui. T'as toujours un mec comme ça dans l'espace commentaire. Bon vas-y, j'ai aussi. LT, si tu peux me laisser. Il y en a là. Sors, sors, avec nous. Je vois pas. Il est là, dans le tunnel. Il meurt pas. Non. Ah bah attends, je te le laisse, vas-y, je te laisse le... Mais gros, mais on me le vole encore, je vais serrer. Allez, réaliste, c'est bon. Allez, oui.
Je la balance. Là, j'en pouvais plus, gros, j'ai vu 3 types. Let's go. Exotique, merci pour tous les GG, frérot. Yokisog. Et moi, c'est un plaisir de vous revoir dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que ces petits gameplays vous auront plu. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau des best class setup. Et si c'est toujours pas le cas, abonne-toi et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, mon pote. Pour ce qui est de la bouche, et c'est là où ça va être le plus important, c'est que vous pouvez choisir, évidemment, la cadence de tir de votre Tech 9. Alors, il faut savoir qu'elle a 3 cadences de tir possibles. Soit vous tirez au coup par coup, soit vous tirez en rafale de 3, et pour tout simplement faire en rafale de 3, il faut tout simplement mettre le répéteur à rafale, qui vous permettra de tirer chaque fois des rafales de 3, des rafales de 3, des rafales de 3, ou tout simplement en automatique. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer en mode automatique avec la Tech 9. Excusez-moi, on va enfin y arriver. Donc, personnellement, je joue avec celui-là, mais vous pouvez très bien jouer avec le répéteur à rafale. Très clairement, un des meilleurs accessoires possibles à jouer avec, mais personnellement, je préfère en mode automatique. Au niveau du canon, on se retrouve comme d'habitude avec le dernier canon, l'accessoire, l'avant-dernière poignée, le dernier chargeur que vous pouvez mettre, sinon le troisième, c'est vraiment au choix, vous pouvez changer là-dessus. Et pour terminer, la poignée arrière, le revêtement élastique qui, très clairement, fait toute la différence. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.